Ravi de vous retrouver. Vous êtes plus de 200 à nous écouter, à nous voir pour cette nouvelle rencontre. Miguel, bonsoir. Bonsoir. Pour rejoindre la galerie de portraits que l'on vient de voir, là, de ces écrivains qui viennent de loin. Alors, le terme est plus ou moins approprié. Dans votre cas, je vais expliquer ça. Vous êtes quelqu'un qui est né à Paris, donc vous ne venez pas très loin par la naissance. Mais en revanche, vos parents viennent de loin. Votre mère est vénézuélienne, votre père est chilien, ce qui vaut le fait que nous ayons marqué en haut de votre nom, non pas un pays, mais un continent. Nous avons mis Amérique latine, contrairement aux autres écrivains précédemment invités. En général, il y avait un pays qui était mentionné. Là, on a jugé qu'un continent, pour vous, était plus approprié. Non, c'est, je l'avais remarqué, oui. Alors, vous rejoignez en quelque sorte une lignée d'écrivains qui sont d'origine latino-américaine par leurs parents, mais qui portent un nom français. Je pense à Alejo Carpentier, le Cubain, je pense à Sylvia Baron-Supervielle, l'Argentine, ou encore à Marilou Mallet, récemment la Chilienne. Pour votre part, vous portez le nom de Bonnefoy, bien qu'il n'y ait pas de parenté avec Yves Bonnefoy, l'écrivain français, mais c'est tout de même le même nom. Alors, peut-être pour commencer, j'aimerais que nous parlions tout simplement du dernier livre que vous avez publié qui s'appelle « Héritage ». D'ordinaire, on commence par parler un petit peu de l'itinéraire des écrivains. Eh bien là, j'aimerais qu'on parle de ce livre. J'ai essayé de le résumer. C'est un livre, c'est un petit peu, alors vous me direz tout à l'heure si c'est exact ou non, on pourrait l'intituler « 100 ans d'incertitude », ce livre. C'est un livre où quatre générations vont se succéder et vont avoir des itinéraires à prendre d'un côté ou d'un autre. Ils vont avoir des choix à faire dans la vie et des choix qui sont douloureux, difficiles. L'histoire commence à la fin du 19e siècle, on est en 1873, et un paysan jurassien est finalement contraint de quitter sa terre parce que le phylloxéra a atteint ses vignes et qu'il va être ruiné. Et il décide de partir pour la Californie. Mais son voyage va s'arrêter avant, parce qu'il est à son tour malade, et cela va s'arrêter pour lui à Valparaiso, au Chili. Partant de là, cet homme va s'installer. Il aura un fils qui s'appelle Lazare, qui lui sera rappelé en quelque sorte par l'Europe, par la France. Il va aller combattre durant la guerre de 14-18. Heureusement pour vous, pour la littérature et pour lui surtout, il en revient et il va s'installer à nouveau au Chili. Il va épouser Thérèse, une femme qui est tout à fait admirable et tous deux vont avoir une fille qui s'appelle Margot et qui va devenir une pionnière de l'aviation et elle va à son tour retourner vers l'Europe, cette fois pour combattre contre le régime nazi pendant la guerre de 39-40, la Seconde Guerre mondiale. Elle en reviendra, elle aussi, elle donnera naissance à un
quatrième génération, alors là d'une façon un petit peu mystérieuse, et on n'en dira pas plus sur cette naissance, mais il y aura un jeune homme qui va naître, un enfant qui s'appelle Hilario Da, et qui lui va être engagé dans la lutte contre la dictature du général Pinochet. Voilà en gros la trame de ce roman. J'aimerais que vous nous parliez pour commencer de ces personnages et de ce premier personnage qui va être nommé par un douanier Lonsonnier. Alors on entend Lonsonnier, on entend Lon le Saunier, évidemment, la ville du Jura, la ville connue pour ses salines, mais aussi pour le vin dans la région. Alors qui est-il et pourquoi le choix du Jura? Eh bien il se trouve, ou du moins c'est ce qu'on m'a dit, que le premier Bonnefoy serait parti de Boissia, près de Clairvaux-les-Lacs, non loin de Lons-le-Saunier, donc du Jura, et qu'ils auraient pris en effet des caravanes jusqu'à arriver à Saint-Nazaire, et de là des navires en fer pour arriver jusqu'au Chili, où, semble-t-il, et ils ne sont pas arrivés directement pour travailler la vigne, mais ils étaient chapeliers. Alors moi j'ai décidé en effet de maquiller toute cette histoire, parce que je trouvais beau cette premier exil, cette première migration, ce premier mouvement, d'avoir un des personnages qui du coup quitte la France exactement un siècle avant le coup d'État de la dictature de Pinochet. Et je ne sais pas exactement à quel moment le premier Bonnefoy, qui il me semble s'appelait Claude-Georges Bonnefoy, est arrivé au Chili, mais j'imagine que ça doit être autour de 1870, peut-être un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard, et je me suis arrangé avec l'histoire pour pouvoir le mettre en 73, afin d'avoir un siècle parfait avec le 11 septembre 73 au Chili. C'est tout simplement une façon un petit peu de s'accommoder avec l'histoire, de tailler la chemise de l'histoire à sa mesure pour avoir un cadre narratif et un squelette romanesque qui tienne. Et l'astuce... Et du coup, l'astuce, en effet, de changer le nom de famille était une façon de me dédouaner de la véracité familiale, de la fidélité ou de la loyauté que je devais avoir avec mon histoire familiale. Si j'avais décidé de nommer cette famille les Bonnefoy, eh bien, j'aurais été obligé et attelé à la tâche de devoir nommer chaque personne qui en fait partie de ma famille, de devoir, en effet, être tout à fait fidèle et de plier le genou devant tous les événements qui sont arrivés. Or, et vous le savez mieux que moi, Bernard, la réalité peut se permettre le luxe d'être invraisemblable, paradoxalement. La fiction, elle, malheureusement, ne peut pas se permettre cette liberté. Donc, alors, avec ce cadre que vous venez de définir, ce personnage part avec un symbole qui n'est pas anodin, il part avec un cep de vigne, c'est-à-dire en gros, il part avec ses racines, on peut dire ça d'une certaine façon, non? Il va replanter ses racines ailleurs. Il replante ses racines ailleurs, c'était symbolique pour moi, une sorte de métaphore, c'est une sorte d'allégorie de devoir déraciner un arbre d'un côté à 12 000 km de distance et le replanter sur les robes de la cordillère. Or, il se trouve que cette histoire est vraie aussi, puisque lorsqu'on s'intéresse au vin chilien, on se rend compte que tous les cépages sont français. Et donc, d'une certaine manière, c'est le Chili et peut-être la Californie, avec l'Argentine aussi, qui ont donné une sorte de renaissance, une deuxième vie à la vigne française, au moment où toutes les vignes et tous les domaines viticoles étaient en train de tomber en faillite, à l'abandon, rongé par ce puceron venu des États-Unis qui était le phylloxéra, le Chili, l'Argentine et la Californie ont pu redonner des minéraux à ces cèpes et ensuite ils les ont replantés en France, ce qui fait qu'aujourd'hui on reboit du vin français. Il faut même se demander quelle catastrophe œnologique serait arrivée si on n'avait pas eu ces migrants œnologue, maître de chais, vigneron, qui avait décidé de traverser l'Atlantique avec un pied de vigne dans un chapeau. Et donc, je me suis tout simplement, enfin, c'est une affaire de lier, de croiser, de métisser, de faire un entrelac de différentes histoires. D'un côté, l'histoire familiale avec ses premiers Bonnefoy qui décident de partir pour le Chili. D'un autre côté, l'histoire de la vigne française. De l'autre côté, peut-être, on pourra, si vous le voulez, parler en effet de cette anecdote de l'agent d'immigration qui est aussi une vieille blague juive. Et finalement, en effet, avec ces différentes ficelles, on tresse quelque chose pour en faire un premier chapitre qui donne un envol. Alors, on va le survoler, ce livre, parce qu'il ne faut pas trop en dire non plus, mais on va quand même peut-être parler de chacun des quatre
principaux personnages, de façon à situer un peu l'intrigue. Et j'aimerais bien que vous nous disiez un mot sur Lazare, cet homme qui, lui, va repartir parce qu'il se sent quand même lié, bien que ce soit déjà une génération plus tard, mais il se sent lié avec l'Europe et lié avec la France. Tout à fait. Et j'étais tombé sur un très beau livre d'un homme appelé Jean-Pierre Blanpin, qui a écrit un livre sur les Français au Chili, dans lequel il retrace les 3 siècles de toute l'occupation, de l'intégration des Français au Chili. Et là, il parle, au moment de 14-18, de cette génération de Français chilianisés, installés au Chili, à la Cordillère ou dans le Valle Central, fils d'immigrés français, qui parlaient parfaitement le français, qui connaissaient les traditions françaises, qui connaissaient les coutumes françaises, qui étaient à l'école française, des personnes en effet qui pouvaient te dire exactement comment marcher depuis Saint-Michel jusqu'à Bastille en prenant telle et telle rue à Paris alors qu'ils n'avaient jamais mis un pied en France. On disait qu'ils lisaient les journaux et que s'il pleuvait à Paris, ils sortaient avec un parapluie alors qu'il faisait plein soleil à Santiago. Et dans les écoles, dans les universités chiliennes, on étudiait le positivisme de Comte, on étudiait le contrat social de Rousseau, on lisait Voltaire, on connaissait mieux les antichambres de la Sorbonne que à la Sorbonne elle-même. Il y a eu comme ça toute une génération très française, très francisée, francophile, francophone, francomaniaque, qui était à 12 000 km de distance et qui n'avait absolument rien à voir avec la France. Donc vous pouvez imaginer qu'à l'instant où la nouvelle de la Première Guerre mondiale arrive jusqu'au Chili, ces jeunes, ils ont été près de 3000, n'ont pas hésité une seule seconde, le cœur n'a pas tremblé, l'œil ne s'est pas mouillé à l'instant de décider de partir pour se battre pour la France, pour défendre un drapeau qu'ils ne connaissaient pas, défendre une terre dont ils ignoraient absolument tout, parce qu'ils étaient convaincus que c'était leur devoir, qui venait là de ancêtres, d'un atavisme, d'une épigénétique, ou tout simplement cette espèce de patriotisme nationaliste fou, dément et absurde qu'il y a eu pendant la Première Guerre mondiale. Et donc tout simplement, j'ai décidé de raconter l'histoire de ce Lazare, qui est inspiré étroitement du fils de Claude-Georges Bonnefoy, qui s'appelait Émile Bonnefoy, que moi j'ai décidé d'appeler Lazare, et qui est réellement parti avec Robert et Charles, ses deux frères. Ils étaient 6, il y avait le plus âgé qui était Marcel Bonnefoy, qui lui est resté au Chili, parce qu'il fallait rester avec la famille. Les 3 garçons du milieu ont décidé de partir dans les tranchées, et les 2 filles sont restées au Chili. Et en effet, Robert et Charles sont morts dans les tranchées à Verdun. Émile est revenu avec un poumon en moins et avec, semble-t-il, une histoire assez fabuleuse d'une rencontre avec un almano-chilien devant un puits d'eau. Oui. Alors là, je crois qu'il est bien de ne pas en dire plus naturellement, que le lecteur découvre à son tour. Et je voudrais qu'on parle, c'est pas, on a parlé de 2 personnages masculins, mais là, il y a 2 personnages féminins qui vont apparaître. C'est Thérèse, l'épouse, la future épouse et l'épouse de Lazare, et leur fille Margot. Alors Thérèse, elle est amoureuse des oiseaux. Elle a une volière absolument extraordinaire. En tous les cas, vous lui créez une volière. Je ne sais pas si elle a existé dans la famille ou pas. Alors malheureusement, elle n'a pas existé. Ça, c'est une invention, c'est de la fiction. Et pourquoi c'est de la fiction? Et car l'idée était de ne pas planter l'aiguille sans fil, non, à niveau narratif. C'est-à-dire ne pas faire des scènes gratuites simplement pour, comme dit Sartre dans Qu'est-ce la littérature, dire un bon mot simplement comme un chasseur qui tire simplement pour le goût d'entendre les détonations. Non, il s'agissait au contraire de pouvoir faire quelques scènes qui, elles, étaient des graines plantées dans un terreau fertile pour pouvoir récupérer des fleurs plus tard dans les générations suivantes. Thérèse a, il semblerait encore une fois, réellement existé. Et, or, il se trouve que Thérèse, et à ce compte, moi j'ai voulu encore une fois m'arranger avec l'histoire, il se trouve que c'était une femme un peu fatiguée de la tête. Il semblerait qu'elle était un peu fragile. Et moi, j'ai décidé d'en faire une femme forte pour que si mes filles, et les filles de mes filles, de mes filles, de mes filles, dans 2 siècles, lisent le livre, qu'on ne garde pas cette image de Thérèse. De la même manière qu'on a une forme d'obligation ou de devoir de mémoire sur certaines choses, on a aussi l'obligation et le devoir de ne pas utiliser la mémoire. Et donc j'ai décidé en effet de faire de Thérèse un personnage un peu plus héroïque, un peu plus homérique, un peu plus puissant, un peu plus robuste que ce qu'elle a visiblement été. Mais la volière qu'elle construit, sa fascination pour l'ornithologie, cette passion qu'elle a pour le dressage des rapaces, tout ceci est fictif,
car j'avais envie de préparer l'arrivée de Margot. Margot est donc sa fille, et je comprends que pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas le livre, ça semble au bout d'un moment un peu abstrait, tous ces noms, mais vous faites très bien de suivre génération après génération, comme ça, pour montrer une chronologie qui est simple et précise. Il se trouve que Margot, en effet, aviatrice, et c'était pour moi important qu'elle soit aviatrice, et je ne voulais pas que sa passion de l'avion arrive tout à coup comme une sorte de lumière, un halo de lumière grecque d'une façon isolée, et qu'elle se décide, un jour, se lève de sa chaise et dit « je vais être aviatrice ». Non, je voulais qu'en effet ce soit la longue et lente maturation de 1000 petites choses qui sont posées avant, et c'est la raison pour laquelle, quelle meilleure façon de lui donner ce présage de l'aviation qu'en le faisant naître dans un endroit où il y a déjà le peuple du ciel. Je me suis dit que ce serait beau de faire une naissance au milieu d'une volière. Mais pourquoi il y a une volière? Ah, alors il faut en effet qu'il y ait un personnage qui construise une volière. Donc je vais voir si Thérèse, la mère, ne s'intéresse pas aux oiseaux. Mais pourquoi elle s'intéresse aux oiseaux, non? Et comme ça, en travaillant un petit peu en arrière, ça permettait déjà de poser les bases d'une sorte d'échafaudage narratif qui me donnerait alors des bonnes justifications, des logiques, des marches pour les personnages suivants. Donc, c'est comme ça, plus ou moins, que ça s'est passé. Or, Margot, elle, n'a pas existé dans ma famille. Donc, comme vous l'avez si bien dit, la première génération est celle du vieux Lonsonnier. Il semblerait que c'est ce monsieur qui a réellement existé. La deuxième est celle de Émile Bonnefoy, que moi j'appelle Lazare, et lui a réellement existé. Et en effet, il y a cette troisième génération qui est celle de Margot. J'avais deux possibilités en me demandant quelles allaient être justement les différentes étapes. Soit je puisais dans mon histoire familiale, et donc j'aurais pu parler de ma grand-mère, en effet, qui s'appelle Fanny Rosenzweig, et qui est une juive qui a fui Thomas Paul en Ukraine en fuyant les pogroms, qui a pris un bateau depuis Odessa et qui est arrivée dans des communautés juives qui s'étaient installées dans le sud de l'Amérique latine. Donc, en effet, je pouvais travailler le personnage de Fanny Rosen, qui est une personne étonnante et qui a été gynécologue obstétricienne, une des premières femmes à avoir fait des avortements dans un Chili très machiste, etc. Donc, personnage étonnant. Et pour la petite histoire, si vous voulez tout savoir, mon père écrit aussi. Il se trouve qu'il vient de publier un livre il y a un mois sur sa mère au Chili. Et donc, vous avez des réserves pour de futurs romans. Oui, si vous saviez, on pourra en parler tout à l'heure. C'est ça. Quoi qu'il en soit, j'avais sinon cette option, celle de puiser dans la mythologie familiale, soit au contraire d'inventer de toutes pièces un personnage qui puisse caler suffisamment bien pour être à la fois la conséquence de la précédente et à la fois la cause du personnage suivant, ou au contraire de m'inspirer de l'histoire avec un H majuscule, les personnages de l'histoire. L'anecdote est la suivante, moi, j'ai écrit ce livre à Rome, à la Villa Médicis. De temps en temps, je venais à Paris pour venir voir ma sœur. Et en prenant le métro à Paris pour aller voir ma sœur, je suis assis dans un des sièges et le siège à côté était vide. Quelqu'un avait laissé un journal ouvert où il y avait écrit une dépêche, mort de Margot Duhald, aviatrice franco-chilienne, femme qui a était dans la Royal Air Force, qui a combattu les nazis dans la Deuxième Guerre mondiale avec ses avions, qui ensuite est revenu au Chili, qui a eu la Légion d'honneur, qui a fondé une école d'aviation et qui est morte riche et célèbre il y a deux jours, etc. Nous lui rendons hommage, toutes ces choses. Et moi, je dis, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me retourne en disant, c'est une blague. Quelqu'un, tu vois, il y a un ange sur l'épaule qui me tend la perche. Et en effet, je me suis dit, je vais faire des recherches sur ce personnage de Margot. Elle calait parfaitement dans les dates. Moi, j'ignorais absolument l'histoire de cette femme. Elle calait parfaitement dans les dates, elle était là où elle devait être, et donc tout à coup, je me suis dit, je vais m'inspirer d'elle pour pouvoir en faire le personnage de cette troisième génération. C'est la raison pour laquelle elle s'appelle Margot Lonsonnier. Vous voyez comme quoi, de temps en temps, et c'est là où c'est intéressant de voir par rapport, et tous les écrivains vous diront sans doute la même chose, que lorsqu'on est en train d'écrire quelque chose, on est tellement obsédé par cette idée qu'on pose devant la réalité une sorte de filtre de perception étrange, et on ne voit le monde qu'à travers ce kaléidoscope. Si j'étais tombé sur cette nouvelle aujourd'hui, ou il y a deux ans, eh bien tout à coup je n'aurais absolument pas écrit, le livre serait tout à fait différent. Et moi qui ai la mauvaise habitude d'être sans cesse en train d'intellectualiser les livres, je me rends compte parfois qu'ils sont le résultat tout simplement d'une coïncidence, d'une rencontre, d'un hasard, d'un ricochet, d'un rebond de l'histoire, et qui fait que ça donne des personnages comme ça. Je ne suis pas sûr que tous les romanciers fassent appel
aux coïncidences et aux journaux qui traînent dans les stations de métro, dans les wagons de métro. Mais enfin, bon, l'anecdote est belle pour voir comment un écrivain se nourrit aussi de faits et de hasards. Alors, on va poursuivre notre histoire. Donc, cette femme, donc, elle devient aviatrice, elle va participer à la Seconde Guerre mondiale. On va rapidement passer à la génération suivante. Alors, je disais tout à l'heure, naissance un petit peu fantastique, on va dire comme ça. Toujours est-il que naît un enfant qui va s'appeler Hilario Da. Alors là, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu l'origine de ce quatrième personnage, cinquième personnage, parce que pour le coup, là, on rattrape quand même un petit peu l'histoire familiale. Tout à fait. Là, on rattrape une histoire beaucoup plus récente. Et Hilario Da est librement et en même temps étroitement inspiré de l'histoire de mon père. Donc, mon père naît en 56 à Santiago, alors que moi, je fais naître Hilario Da en 46. Donc, encore une fois, je le rajeunis ou je le vieillis. Enfin, ça dépend d'où on le regarde, de 10 ans. Mais encore une fois, je m'arrange avec l'histoire parce que ça me permettait de pouvoir le caler avec le retour de Marco de la Deuxième Guerre mondiale et qui est très vite, dans son adolescence, rentré dans le MIR, les mouvements d'extrême gauche révolutionnaire, donc Movimiento de Izquierda Revolucionario. Il a 18 ans au 11 septembre 1973, lorsqu'il y a le coup d'État de Pinochet, lorsque les avions bombardent la Moneda. Pinochet se suicide ou est tué dans le palais présidentiel, allait savoir, après un discours absolument magnifique dans les radios nationales. Et puis, assez vite, dans les semaines qui suivent, mon père est arrêté. Il est arrêté dans un appartement avec son frère, Paul Bonnefoy, et avec un ami qui s'appelle Pepe. On les met dans le fourgon et Pepe dit « Je n'ai pas pris ma veste, j'ai le droit de revenir pour pouvoir reprendre la veste, etc. » Bon, c'est à l'époque. Hein. À l'époque, on lui dit « Bon, bah, fais vite et reviens. » Il faut imaginer qu'aujourd'hui, ce serait inconcevable enfin, ce type de situation. Il va et en prenant la veste, il prend aussi un pistolet, rentre dans le fourgon, tire sur le copilote. Le pilote se retourne, tire sur lui et Pepe meurt sur l'épaule de mon père. En disant, le maté, en lui demandant, est-ce que je l'ai tué? Mon père lui dit, oui, tu. On emmène alors mon père et mon oncle, Paul Bonnefoy, dans le centre de torture Villa Grimaldi, et pendant plus ou moins le mois où ils seront torturés, ils ne cesseront de répéter la même chose. On ne savait rien. Pepe savait tout. Et vous l'avez tué vous-même. Lorsque mon père, en effet, après la Villa Grimaldi du centre de torture, est envoyé dans une prison commune, il passe à peu près 2 mois dans une prison commune classique, dont Sepúlveda a écrit sans doute les plus belles pages dans Patagonia Express, qui a été traduit « Le neveu d'Amérique » en français. Et il arrive à Barcelone. Et en arrivant à Barcelone, il se met à écrire son témoignage, son récit, tout ce qu'il a vécu dans la torture, qu'il appelle « Relato nel frente chileno », récit sur le front chilien, qu'il décide en effet de dédicacer à Pepe, et qu'il décide de prendre un pseudonyme pour ne pas souiller, ne pas mettre en péril les bonnes fois qui étaient restées au Chili. Il prend le pseudonyme Hilario Da. Vous n'allez pas me croire, naturellement. Or, il se trouve que donc il le publie dans une petite maison catalane. Le livre a quelques lecteurs, comme ça, d'une manière un peu clandestine. Il fait bruit autour de lui, toutes ces choses. 30 ans plus tard, et ça, c'est pour la petite anecdote, 30 ans plus tard, la maison d'édition L'Homme, au Chili, lui demande de republier le livre sous son vrai nom, mais surtout en mettant les vrais noms des tortionnaires et les vrais noms de ses camarades de cellule, pour que ce soit un élément en plus lors des procès qui étaient en train d'être faits contre Pinochet par le juge Garçon. Peut-être vous vous en souvenez. Il décide donc de republier le texte en apportant quelques corrections, quelques améliorations, etc., et en mettant les vrais noms, toutes ces choses. On lui propose donc de venir faire une rencontre littéraire, prend l'avion pour la première fois 30 ans plus tard, arrive à Santiago, et dans la rencontre littéraire, est en train de parler de toutes les choses dont on est en train de parler en ce moment, et dit « Je dédie donc ce livre à Pepe, qui n'a pas eu d'enfant, qui meurt trop jeune, etc. » Et là se lève, vous ne croyez peut-être pas, mais se lève au fond de la salle un homme de 30 ans. Un homme de 30 ans se lève comme ça, semblerait beau comme un flibustier, qui dit « Moi, je suis le fils de Pepe. » Il se trouve que Pepe, avant de rentrer dans le MIR, avait été envoyé pendant quelques semaines à la Havane, à Cuba,
où il y avait des cercles militaires qui étaient en train de faire des essais militaires ou des formations militaires pour des jeunes milices dans différents pays d'Amérique latine pour essayer justement de retourner les démocraties corrompues et les dictatures qui étaient mises en place. Et Pepe avait rencontré une belle Cubaine, avait eu un enfant, le savait peut-être à peine ou du moins n'en avait pas parlé. Et Pepe était là. Alors vous pouvez imaginer la situation dans la rencontre littéraire où les gens se lèvent, ils se prennent dans les bras le fils de Pepe, mon père pleure, enfin... Quoi qu'il en soit, j'ai décidé en effet, au moment de parler de ce personnage, de cette quatrième génération, fils de Margot, de donc prendre le nom de Hilarioda pour rendre hommage à cet écrivain qui n'est plus écrivain aujourd'hui, puisque mon père continue à publier des livres, mais sous son vrai nom, sous le nom de Michel Bonnefoy, et de me dire que ça, ce serait peut-être une sorte d'hommage tardif rendu à ce jeune de 17 ans qui a écrit ce récit de la torture à Barcelone. Ce qui est fabuleux à vous entendre, c'est que, d'une part, vous comptez à l'oral aussi bien qu'à l'écrit, et on ne sait plus très bien si on est dans le livre, si on est dans votre histoire familiale, parce qu'on retrouve évidemment des éléments qu'on a lus, puis de temps en temps, il y a une petite chose qui réapparaît, qui vient ajuster ou préciser les choses. De tous ces personnages, moi, ce que je retiens, c'est un mot qui est parfois galvaudé, mais enfin, tous ont quand même un sens très fort de l'engagement. Employons ce mot, je sais bien qu'il a été parfois un petit peu balayé, mais ils s'engagent au bon moment, ils sont là tous et ils répondent présents. La guerre de 14, la guerre contre le nazisme, la lutte contre Pinochet. C'est ça finalement qui les soude, ces trois générations ou trois, quatre générations de familiales. Non ? Absolument, absolument. C'est tout à fait comme vous le dites, un engagement qui est politique, aussi un engagement sans doute vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du siècle. Et aussi, c'est quelque chose que je remarque lorsque j'entends les lecteurs me parler, il y a le fil d'une sorte de passion qu'ils ont tous, une sorte de nécessité d'embrasser quelque chose qui soit ardent, qui soit profond. Ils ont une sorte d'obstination, une sorte de ténacité. Et une forme comme ça de persévérance dans le combat, qu'il soit politique, mais aussi une sorte de combat humain. Et était, encore une fois, moi, je ne l'ai pas vraiment voulu. Je n'ai fait que copier la réalité. C'est-à-dire, je n'ai fait que regarder en arrière, me rendre compte qu'il y avait ce premier exil, qu'il y avait un arrière-grand-père qui était parti pendant la Première Guerre mondiale. Mais au fond, comme tout le monde, c'est juste que c'était curieux de se rendre compte que lui venait du Chili. Il y a un très beau livre d'ailleurs sur la participation des latino-américains pendant les deux guerres mondiales qui a été publié par les PUF, par les presses universitaires françaises, et qui raconte des histoires complètement dingues qu'on ne connaît pas du tout. Si on connaît la participation des Sénégalais, on connaît la participation également des Maghrébins, on connaît la participation d'énormément de peuples qui ont décidé comme ça de venir vers la France pour combattre un ennemi un peu invisible, un peu. Mais des latino-américains, moins. Donc je m'étais dit que ce serait intéressant ça. Et par rapport à Margot, oui, eh bien, et encore une fois, c'est tombé un peu par hasard, l'histoire m'a plu, et je me suis dit qu'il fallait le mettre là, et puis par rapport à mon père, bah, tout dans mon père n'est que littérature et politique. Donc fatalement, presque, je me suis retrouvé à avoir des personnages qui étaient tous engagés. Mais encore une fois, presque malgré moi. Et lorsqu'on regarde de l'autre côté de la famille, du côté de ma mère, il y a également des histoires d'engagement et également des histoires de torture. Donc je me rends compte que tous mes grands-parents ont été torturés pour une raison ou pour une autre. Donc vous pouvez imaginer. C'est l'héritage qu'on a. C'est l'héritage qu'on a. Moi, je m'inquiète du coup à chaque fois que je. Moi j'habite à Berlin. À chaque fois que je marche dans la rue. Alors. Il y a quelque chose qui est là aussi dans votre livre avec l'engagement. Bon, c'est l'atavisme, c'est l'héritage que chacun va transmettre. C'est aussi le fait que vous jouez avec l'histoire, l'histoire avec un grand H. Vous l'avez dit, les dates de naissance changent parce que vous les adaptez, vous voulez que le personnage ait tel âge ou s'adapte à que l'histoire s'adapte à votre roman ou l'inverse, que votre roman s'adapte à l'histoire. Et il y a un autre ingrédient qui arrive, qui est très présent aussi, c'est un ingrédient pour le coup très latino-américain. On va parler de naissance extraordinaire, on va parler de chaman, qui va avoir une importance dans la vocation de... Tout à l'heure, vous en avez parlé, la vocation d'aviatrice. Il y a un déclic qui se fait, il y a une scène très belle avec un chaman qui fait une... on va dire rapidement, une scène de lévitation et qui donne en quelque sorte
l'idée, ou en tous les cas, c'est le déclic dernier pour faire de cette femme une aviatrice. Donc, tous ces éléments, ce sont des fantômes, des magies. On arrive à ce qu'on appelle le fantastique, un fantastique qui arrive très, très naturellement. Et je pense que vous me voyez arriver aussi, le réalisme magique, bien évidemment, il est là, il est très présent chez vous. Là aussi, ça fait partie de votre héritage. Quand on dit réalisme magique, bah oui, c'est évidemment Garcia Marquez qui vient. À quel moment vous avez lu cette phrase qui est la première de 100 ans de solitude, bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Buendia? Vous l'avez lu quand? C'est une lecture adolescente, c'est une lecture adulte? Absolument, c'est une lecture adolescente, je m'en souviens très bien, j'habitais à Paris, j'étais dans le 13e, j'habitais rue Coypel, c'est en face du commissariat de la place d'Italie, et on m'avait prêté le livre, ma grand-mère m'avait dit « livre extraordinaire », je l'avais ouvert et en effet, j'ai lu le livre en une nuit, et j'ai eu l'impression que sa musique était la musique que moi j'avais toujours cherchée, et surtout que... Je me suis dit, cet homme triche. Ce n'est pas possible. On ne peut pas écrire des choses aussi belles et on ne peut pas jouer avec la réalité d'une façon aussi brillante, aussi prodigieuse, sans en avoir peur. Je me suis rendu compte, en effet, que lorsque tu étudies un peu Garcia Marquez, lui aussi avait eu exactement le même bouleversement en lisant la première phrase de la métamorphose de Kafka. Lorsque Gregory Samsa se réveilla, il était transformé en un gigantesque insecte et lui-même a ressenti la même chose en disant, non. C'est pas possible, il triche, Kafka triche, on ne peut pas commencer comme ça. Mais il avait aussi ressenti la même émotion en lisant Pedro Páramo de Juan Rulfo, qui avait également du réalisme magique déjà dans l'air. Et Juan Rulfo, lui, avait été fasciné, vous en avez parlé, d'Alejo Carpentier, qui avec son Viaje a la Semilla, montre déjà en effet qu'on peut complètement retourner la réalité. Mais en effet, on oublie trop souvent que tous ces écrivains latino-américains étaient des grands lecteurs des écrivains européens. Donc non seulement bien sûr de Kafka, mais c'était des lecteurs aussi de Oscar Wilde. C'était aussi étaient des hommes qui avaient lu Gogol, qui avaient lu Bulgakov, où il y a un chat qui parle. Dans Dostoïevski, dans les frères Karamazov, le diable se présente sous la forme, comme ça, en racontant le récit d'un grand inquisiteur, sous la forme d'une sorte de dandy anglais. On a déjà du réalisme magique. Lorsqu'on lit les Japonais, on se retrouve avec du réalisme magique. Et si on va encore un peu plus loin, et pour m'intéresser, un très beau livre s'appelle « America Magica », et qui a été publié par un couple de chercheurs, et qui essaie de revenir aux sources de tous ces mythes de l'Amérique latine rêvée, des chroniques des Indes, des Amazones, des fontaines de jouvence, des peuples de géants, des sirènes. Et ils disent, mais en fait, si vous mettez à voir tous les conquistadors espagnols, italiens, génois, qui sont arrivés sur les côtes latino-américaines, ils n'étaient pas vides d'imagination, ils n'étaient pas vierges de lecture, ils venaient eux aussi avec un imaginaire médiéval. Ils avaient un imaginaire de dragon, ils avaient lu Homère, par exemple, donc ils avaient déjà des sirènes dans leur cœur. En arrivant en Amérique latine, la seule chose qu'ils ont fait, c'est transplanter cet imaginaire. Ils avaient déjà, par exemple, essayé de placer le paradis terrestre partout. On avait essayé de le mettre aux Moluques, dans l'île de Ceylan, à Bangladesh, sur la route de la soie. On n'y avait jamais vraiment réussi à le mettre. Et enfin, on trouvait l'Amérique latine, on se disait, ah ben le voilà, le paradis terrestre. Il y a des très beaux textes, un type s'appelle Antonio de León, en 1506, dans lequel il fait des parallèles entre la géographie de l'Amérique latine et le jardin de l'Éden. Il dit, dans le jardin de l'Éden, il y a quatre fleuves, comme en Amérique latine, où il y a le Magdalena, el Orinoco, le Rio de la Plata et l'Amazone. Et puis, si vous regardez les textes, en effet, Ève n'est pas si blanche. Elle a presque la matité d'une indienne. Et puis, la pomme est trop grosse pour être une pomme, c'est peut-être une mangue ou une goyave. Il dit, ben voilà, nous avons trouvé le paradis terrestre. Lorsqu'ils arrivent dans le sud de l'Amérique latine, ils se rendent compte que les indigènes sont un peu plus hauts. Et donc, ils finissent par les appeler ceux qui ont les grands pieds. On dit en espagnol, pied se dit pata. Et gong est le suffixe pour la grandeur. Donc, el patagon est celui qui a des grands pieds. Patagon, Patagonia. Mais ces peuples de géants se retrouvaient déjà dans les sagas islandaises du XIIe siècle. Et donc, tout à coup, on se rend compte qu'il y a une sorte de porosité délicieuse, et un dialogue fascinant qui s'est créé depuis toujours dans un imaginaire. Je pense à la fontaine de Jouvence. Au même moment où on imagine la fontaine de jeunesse ou de jouvence en Amérique latine, au même moment, il y a des alchimistes en Europe qui sont en train de rajeunir la matière
où ils prennent le plomb pour le transformer en or et piquent de la mirandole dans son creuset et en train de rajeunir la matière. Donc encore une fois, c'est juste une métaphore qu'on utilise pour une fontaine où on met une femme un peu plus vieille et qui devient jeune en y sortant. Le réalisme magique, c'est là où je veux en venir, c'est que le réalisme magique est une conséquence de tout un dialogue, en fait, d'une rencontre entre deux peuples qui s'est fait et d'un imaginaire immense. García Márquez, lui, avait lu Kafka, qui, lui, à son tour, avait lu les Russes, qui les Russes avaient lu Don Quichotte, et Don Quichotte avait lu Virgile ou Dante, enfin, et on est sans cesse dans une sorte de jeu. Et alors, bien sûr, aujourd'hui, on imagine que le réalisme magique est le privilège des auteurs latino-américains du XXe siècle, mais ce qui est beau, c'est de se rendre compte qu'il y a déjà, des deux côtés, des fascinations. Et pour finir, je vous dirai, puisque vous avez commencé votre question en parlant de cette scène de lévitation de Aucan, eh bien, il se trouve que cette scène de lévitation, elle n'a pas été trouvée dans les livres par Borges ou par Cortázar ou par García Márquez ou par Jorge Amado, mais au contraire, ça a été c'est une page au milieu du livre Le lotissement du ciel de Blaise Cendrars, dans lequel il parle de cette histoire de Saint-Joseph de Cupertino, qui est le premier homme à avoir lévité lors d'une procession mystique. Et en lisant cette page, je me suis dit, ah, c'est génial, mais il se trouve que c'est un Français qui l'a écrit. Vous voyez comme quoi ? Un Suisse, en l'occurrence. Oui, bon, pardon. Il faut rendre aux Helvètes toujours ce qui revient aux Helvètes. Je me suis aperçu que j'avais mis quelques noms d'écrivains latino-américains sur la feuille que j'ai devant moi. Vous les avez tous cités, donc c'est parfait. J'avais mis ces noms en disant, y compris Juan Rulfo et Pedro Páramo. Oui. Je souhaitais vous entendre parler, vous l'avez fait. Et on voit bien le lien que vous avez avec... On n'aurait pas dû mettre Amérique latine France, on aurait dû mettre Amérique latine Europe. Parce que vous êtes passé par le Portugal, vous avez écrit à Rome, vous êtes aujourd'hui à Berlin, vous êtes né à Paris, vous êtes aussi européen que vous êtes latino-américain. Absolument. C'est pas, on a eu tort, ce n'est pas un continent qu'il vous faut, c'est deux continents. Vous avez tout à fait raison. Alors, quel lien vous entretenez au quotidien avec l'Amérique latine? Je vois bien le lien culturel, le lien littéraire, il est extrêmement fort. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui transportait l'Amérique latine avec vous, je ne sais pas, dans la déco chez vous, dans la nourriture, dans la langue, j'imagine, dans la musique? Quelle place a l'Amérique latine dans votre quotidien? Alors, il se trouve qu'en ce moment, peu, malheureusement. Pour deux raisons. D'abord, parce que je suis loin et que c'est compliqué de revenir au Venezuela. Et si vous voulez vraiment tous les détails, aujourd'hui, lorsqu'on est au Venezuela, on ne peut pas ressortir du pays si on est vénézuélien, mais on n'en a pas le passeport. Donc, il faut que le passeport soit en règle. Or, mon passeport a expiré il y a 2 mois. Et donc, je sais que je ne peux pas aller au Venezuela maintenant parce que je ne pourrais pas ressortir du pays, seulement si j'arrive à refaire mon passeport. Donc, ça, je sais que ça va être compliqué. Et mon père, qui vient d'arriver, mais depuis hier, il s'est réinstallé au Venezuela. Il habitait au Chili et il s'est réinstallé au Venezuela. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller le voir, et pourtant ça va être compliqué. Donc, par rapport au voyage, et en ce moment pour le Venezuela, c'est difficile, alors que pour le Chili ou pour l'Argentine, c'est beaucoup plus simple. Ma sœur habite au Mexique, donc je sais que j'y vais régulièrement. Je pensais plus au quotidien de la vie. Le quotidien, oui, le quotidien de la vie. Alors moi, je vis avec une Danoise. Donc, voilà, donc vous voyez, encore une fois, ça m'éloigne davantage. Encore l'Europe, vous me direz. Mais donc ça m'éloigne encore une fois. Bien sûr, j'écoute de la musique latino-américaine à la maison. Je parle exclusivement en espagnol à mes filles. Mais je voyage énormément à la maison. Je ne cuisine pas je ne cuisine pas, en effet, de spécialité latino-américaine. Vous avez raison. Maintenant que vous le dites, ça me fait réfléchir. On mange du smørbrød. On mange du rebre, enfin, on mangeait non, de la rémolé, enfin, toutes les spécialités danoises. Bon appétit. Mais en effet, il n'y a pas. Et par rapport à la déco, cette déco n'est pas à moi, parce que moi, je suis en résidence d'écriture à Berlin. Donc, on m'a donné cet appartement, qui est un gigantesque appartement au milieu de la Kudamm. Et donc, toute la déco n'est pas à moi. Moi je n'ai que quelques livres et une valise. Enfin, très bien, mais ne vous excusez pas. Hein, c'est pas... Mais le rôle de la langue espagnole, alors vous l'avez dit, vous parlez espagnol avec vos filles, mais oui. Le rôle de cette langue dans votre écriture en français, de temps en temps, vous glissez quelques mots, quelques expressions très courtes, il n'y en a pas beaucoup, mais
quand même, est-ce qu'il y a une musicalité, est-ce qu'il y a quelque chose, à votre avis, qui vient de cette langue ? Absolument. Est-ce qu'il y a une porosité entre les deux ? Il y a une porosité réelle et claire, il y a un pont dressé entre les deux très fortement. Les livres, je les pense d'abord en espagnol, je lis énormément en espagnol, je suis sans cesse en train de prendre des notes en espagnol, et il y a certains mots, surtout lorsqu'on écrit sur les Caraïbes, qui sont essentiellement espagnols, castellanos, donc, et qui rassemblent à l'intérieur de leur ventre phonétique déjà tout cet imaginaire. Par exemple, il y a un arbre dans les Caraïbes qui s'appelle El Moriche. El Moriche, c'est le palmier bâche en français. Le petit bosquet de Moriches, puisque le Moriche ne peut que pousser sur quelques centimètres d'eau, le petit bosquet de Moriche dans n'importe quelle plaine, dans n'importe quelle savane, dans n'importe quel début de jungle, etc., annonce de l'eau fatalement. Donc le morichal, c'est-à-dire l'ensemble des moriches, est synonyme d'eau. Lorsque tu dis à quelqu'un en Amérique latine, et surtout des voyageurs, un morichal, immédiatement il voit l'oasis avec un peu d'eau, avec sans doute quelques animaux autour qui viennent s'abreuver de temps en temps, etc., et qui donnent également de l'ombre, qui peut te protéger d'une pluie tropicale, etc. À l'intérieur du mot morichal, il y a déjà tout ça. Or, en français, on est obligé d'utiliser une phrase un peu plus longue en disant « c'était un petit bosquet de palmiers bâches qui était là, au loin, non, et qui représentait l'eau, la vie, le vivant, etc. » Donc, ce que je trouve intéressant, et on peut utiliser le mot « guacamaya », par exemple, qui est le « ara » en français. Et déjà, dans le mot « guacamaya », on voit tout cet animal, il y a quatre « a ». On voit les plumes, on voit l'ardeur, on voit le muscle du vol, on voit un cœur qui peut battre 100 ans. On voit cette espèce de langue noire comme ça qui sort d'un bec. Enfin, on voit dans Guacamaya tout ça. Cependant, dans Ara, on le voit un peu moins. Et donc, lorsqu'on imagine le texte en disant « Una Guacamaya pasaba por el Morichal », eh bien, voilà, en trois mots, on a déjà pas une image avec une fulgurance de couleurs qui passe au-dessus d'une sorte de bosquet de palmiers avec de l'eau, etc., au milieu d'une jungle. En français, ça m'oblige à rédiger non seulement avec plus de mots, mais également peut-être de tordre la langue différemment, d'essayer de trouver des portes d'entrée pour ne pas en faire quelque chose de lourd, de mielleux, de sablonneux. Essayer de trouver des astuces, des ruses. Et ça donne peut-être une phrase qui n'est pas tout à fait naturellement de l'espagnol, qui n'est pas encore tout à fait peut-être un français classique, mais qui est une sorte de troisième langue, qui est un cocktail entre les deux. Qui, je ne dis pas du tout qu'elle soit bonne cette langue, hein, pas du tout, mais qui donne une sorte de langue un peu bâtarde en fait, un peu orpheline, mais qui en même temps connaît le nom de ses parents. Ça donne quelque chose comme ça. Et je sais que ça a été longtemps une préoccupation dans mon cœur de voir comment j'arrivais à maintenir le même diapason du texte, le même rythme, le même ton, la même musique en français, alors que j'étais en train de parler d'un imaginaire qui n'avait presque rien à voir avec la France. Cependant, lorsqu'on lit certains textes des Français des Antilles, et je ne parle pas du mouvement de la négritude, je ne parle pas de Glissant, de Aimé Césaire, de Mackenzie Orcel, comme ça, mais je parle de plus du père là-bas, qui lui est parti faire du rhum dans les Antilles. Et le père là-bas a énormément écrit tout son voyage en Amérique. Et là, on retrouve bizarrement une sorte de langue syncrétique. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'espagnol, ce n'est pas du créole, ce n'est pas du français, mais c'est une sorte de mix entre tout dans lequel il a essayé de créer une autre langue. Et c'est beau parce qu'il est parti justement faire du rhum. Donc c'est comme si c'était une sorte de mélasse dans une cuve que lui-même, avec différents sucres, différentes bagasses, il essayait d'en faire quelque chose de nouveau en faisant macérer, distiller, vieillir cette langue. Donc il y a quelque chose comme ça d'assez beau à voir. Parmi les petits morceaux de phrases que vous laissez en espagnol dans vos livres, il en est un que je choisis maintenant parce que ça me permet
d'enchaîner avec le premier livre publié en 2015, Le Voyage d'Octavio. À un moment, il y a une jeune femme qui dit en espagnol « Yo me llamo Venezuela ». Et ça, la phrase est en espagnol dans votre texte en français. C'est très, très, très court, mais elle est là. Alors, Le Voyage d'Octavio, c'est cette histoire d'Octavio qui échappe à un homme qui a échappé à la peste, qui est illettré, et qui essaye de le cacher. Il va jusqu'à se blesser à la main pour essayer de trouver un alibi et dire « je ne peux pas écrire parce que j'ai la main qui est blessée ». Et cet homme va rencontrer la belle Venezuela, et cette femme va lui apprendre à lire et à écrire. Malheureusement, pour la suite, vous le faites rencontrer Octavio, une bande de bandits. Alors, un peu chevaleresque, mais enfin, c'est quand même des bandits. Et ils vont, ces bandits, essayer de cambrioler une demeure, et c'est celle de Venezuela. Alors, bon, je ne raconte pas davantage, mais Octavio et Venezuela, il y a un côté, je dirais, un homme qui représente le Venezuela, l'homme vénézuélien d'une certaine façon, et puis une femme qui est le Venezuela, puisqu'elle s'appelle Venezuela. Non, c'est un peu ça l'idée du livre. Alors, l'idée en effet du livre par rapport à Octavio était essentiellement pouvoir parler du pays, mais pas en utilisant directement le pays, mais une astuce en fait qui était en utilisant un personnage qui lui est illettré analphabète et qui va apprendre à lire et à écrire. En apprenant à lire et à écrire, il apprend tout simplement à s'exprimer, mais non pas seulement à s'exprimer lui-même, mais exprimer tout ce qu'il y a autour. Et donc, on découvre le monde à travers ses yeux. Plus il apprend à lire et à écrire, plus il voyage, plus il découvre et plus on voit le pays et toute son idiosyncrasie derrière. Et c'était aussi parce que moi j'ai vécu 4 ans au Venezuela pendant la révolution bolivarienne, et la révolution bolivarienne en partie avait nationalisé beaucoup d'entreprises pour pouvoir récupérer l'argent et réinvestir cet argent dans des missions sociales, ils appelaient ça des missions. Et parmi ces missions, il y avait celle de l'alphabétisation du pays. C'était ce qu'on appelait la mission Robinson. Et dans la mission Robinson, ils avaient pris des salles qui étaient essentiellement vouées à recevoir des adultes analphabètes pour leur apprendre enfin à lire et à écrire. Et moi, j'ai participé à certaines de ces missions et j'ai vu des vieilles dames, des vieux messieurs qui étaient pères, grands-pères, arrière-grands-pères, et qui, pour la première fois de sa vie, pouvait lire ou écrire le mot « papa ». Il disait « Moi, j'ai passé 90 ans de ma vie à entendre le mot « papa » de différentes bouches. Je ne savais même pas qu'on pouvait l'écrire d'une façon aussi simple. » C'est quelque chose qui m'a tellement touché, et ces différents récits. Plus ou moins au même moment, et moi, j'étais parti vivre en Argentine, dans le nord de l'Argentine, dans El Chaco. Et dans El Chaco, c'est une des régions les plus pauvres de toute l'Amérique latine, dans une ville qui s'appelle Resistencia. Et à Resistencia, j'étais libraire pendant quelques mois. Et énormément de dames étaient également analphabètes ou illettrées. Et je me souviens en effet que nous, on vendait des livres scolaires. Et elles venaient de temps en temps à la librairie pour acheter des livres scolaires et disaient « Je viens vous acheter un livre vert, dont la couverture est verte. » Je disais « Madame, la moitié de cette librairie a une couverture qui est verte. » Elles disaient « Mais si vous me le montrez, je saurais le reconnaître. » Et moi, je trouvais ça d'une beauté terrible, enfin, à la fois belle et horrible. Là où je m'étais dit qu'il y avait là quelque chose à faire, et quelle meilleure manière de commencer à écrire un premier roman sur l'écriture, sur la lecture, sur le goût de l'écriture, mais de l'écriture simple. Donc ça, c'était pour le personnage de Octavio. Et ensuite, pour Venezuela, et je ne sais pas si je peux m'exprimer tout à fait librement, mais c'est quelque chose qui est encore plus profond et plus souterrain. Il se trouve que moi, je prépare depuis beaucoup de livres et d'autres livres. Et je pose des pierres d'attente, en fait. Je pose des petites racines. Je mets ici et là des indices qui me permettent de créer des traboules, des galeries souterraines entre les livres. Venezuela, peut-être vous en êtes rendu compte, apparaît également dans Héritage. À la fin d'Héritage, Ilariola rencontre une Venezuela. C'est la même Venezuela qui, autrefois, avait rencontré Octavio. Et il se trouve que cette Venezuela est tout simplement une projection de ma mère. Et ma mère, née à Maracaibo,
d'un père étonnant, un homme qui s'appelait Antonio Borja Romero, qui au troisième jour de sa vie, orphelin, a été déposé sur les marches d'une église dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. Antonio Borja Romero, orphelin, est devenu président de l'école de médecine, le premier cardiologue du Venezuela, et il est devenu le recteur de l'université, une des universités les plus importantes de Venezuela, qui s'appelle Luz, Lumière. Il a été le recteur éternel, et c'est un homme qui aujourd'hui, l'université porte son nom. Il y a un buste de mon grand-père dans l'université de Maracaibo. Il y a également un quartier qui porte le nom d'Antonio Borja Romero et une rue. Et du coup, je me suis dit que l'histoire était étonnante, parce que lorsqu'il a ma mère, ma grand-mère a accouché, et plus ou moins au moment de la fin de la dictature de Pérez Jiménez. Et pendant l'accouchement, dans la maternité, les gens dehors hurlaient, parce que le gouvernement de la dictature venait de tomber, hurlaient « Viva Venezuela, viva Venezuela, viva Venezuela !» Et ces cris, ces hurlements dans la rue, cachaient les hurlements de ma grand-mère, comme ça, pour essayer de faire l'accouchement. Et au moment où la petite est sortie, il a été question de l'appeler « Venezuela », puisque c'était la journée. Ils ont décidé de l'appeler « Marie-Antoinette ». Il se trouve que ma mère s'appelle Marie-Antoinette, mais tout le monde l'appelle Maranto, qui est une contraction. Antoinette de Antonio, comme son père, et Maria, parce que sa mère s'appelait Anna Maria. Donc ils ont tout simplement mis Maria Antonietta, ce qui a donné Marie-Antoinette, mais tout le monde l'appelle Maranto, non, parce que c'est une contraction. Marantico. Donc, et je sais que le personnage de Venezuela a été là depuis le début, mais c'est surtout un livre que je porte dans mon cœur, qu'un jour ou un autre j'écrirai, et qui est, si vous voulez, l'autre fleuve d'héritage, avec toute l'histoire depuis Antonio Borja Romero avec Venezuela, etc., et qui arrive avec Venezuela, qui rencontre Octavio, et qui arrive à Paris en tant que diplomate pour rencontrer un jeune réfugié de la dictature de Pinochet lors d'un match de football appelé Hilario Da. Et si, pardon de vous couper, et c'est la raison pour laquelle dans Octavio, j'ai voulu le mettre en espagnol, parce que quand elle dit « Yo me llamo Venezuela », c'est ce qu'elle va dire dans le prochain livre. Donc, il fallait que ce soit cohérent. Encore une fois, je ne plante pas l'aiguille sans fil. Très bien. Alors, une chose que je voudrais aborder avec vous, vous avez en partie répondu, mais pas totalement, c'est ce retour un petit peu du regard, ce renversement du regard, en particulier sur l'émigration ou sur l'immigration. Très souvent en Europe, quand on parle d'immigrer, c'est vers l'Europe. C'est rarement dans l'autre sens. Et vous, justement, vous renversez le regard. Et en lisant votre livre, on pense aux Européens qui sont allés à Ellis Island, au large de New York, aux Italiens qui sont arrivés en Argentine. On parle de, si je ne me trompe, de boulangers à Montevideo, de boulangers français. Et je pense, moi, à ceux que l'on appelle les Barcelonettes au Mexique, bien j'imagine sûr. Que vous connaissez. Leur histoire est très parallèle. Eux ont emmené la soie depuis la Haute-Provence, la vallée de Lubaï, là, ils ont amené la soie avec eux. C'est un petit peu le même dessin, c'est des cousins avec vos Chiliens, franco-chiliens, non? Mais c'est tout à fait ça. En plus, le premier chapitre d'Héritage a été écrit à Manosque, parce que j'étais invité en résidence d'écriture pendant les correspondances de Manosque, qui sont organisées par Olivier Chenançon, que vous connaissez peut-être. Et il m'avait invité pendant 3 mois dans un bel appartement sur la place de Manosque. Et c'est là où j'avais découvert l'histoire de Barcelonnette, qui est complètement incroyable. Et je m'étais dit qu'il y avait là un parallèle. Vous faites très bien de le souligner. D'où d'ailleurs cette espèce de terminologie, enfin le champ lexical de l'oncle d'Amérique, puisque l'oncle d'Amérique revient et il est toujours riche. En fait, mais il est riche, mais tout simplement parce qu'il est revenu, il a fait fortune ailleurs et il est revenu. Enfin, c'est pas que... Oui. Non, donc il y a absolument, il y a un parallèle avec les Barcelonnettes, il y a un parallèle avec les Italiens en Argentine, et avec les Allemands qui sont arrivés au Brésil, par exemple, ou dans la Colonia Tovar au Venezuela, avec les Juifs qui ont fui les pogroms et qui se sont retrouvés à Ellis Island et qui ensuite ont peuplé en partie les États-Unis. Il y a tout à fait ça. Et l'idée était pouvoir de retourner justement à la situation, c'est-à-dire d'un côté, de parler de ces Français qui autrefois ont fui eux aussi, pour différentes raisons, non seulement la crise du phylloxéra, mais ça pouvait être en train de fuir la guerre franco-prussienne à cause de la Commune. Et également, la révolution industrielle a fait énormément de déboisement
en France. Et donc, beaucoup de cultures et d'agriculture ont été inondées parce qu'il n'y avait plus d'arbres pour pouvoir arrêter les pluies, pour pouvoir éviter les inondations de terrain lorsque les crues s'élevaient. Et donc, fatalement aussi, ont décidé de migrer vers des vies meilleures. Il y a d'ailleurs un très beau livre, un très beau film ici en Allemagne, s'appelle Heimat, où on voit une délégation de Brésiliens qui arrive dans la Bavière pour offrir des terres à ces paysans allemands, leur disant « mais nous avons un pays entier qu'il faut peupler et nous avons besoin de gens qui savent travailler la terre. Donc venez, les cadastres sont là, les papiers de propriété sont là. » Et tu as cette espèce de délégation de Brésiliens qui arrive au fin fond de la Bavière et les Allemands sont partis. Il y a une énorme communauté allemande au Brésil. Donc c'est là où on se rend compte que la migration a toujours été dans tous les sens et depuis le premier exil, qui est celui d'Adam et Ève des portes du paradis, l'histoire de l'humanité n'a été qu'un effet boule de neige, qu'une tache d'huile faite de migration. Et pour héritage et pour cet exemple en particulier, eh bien, bien sûr que non seulement j'avais envie de parler de ça, mais également envie de rendre hommage à cette France qui, dans les années 70, avait accueilli mon père. Tiens, mon père me parle toujours de ça, en disant il y a eu une France qui nous a donné des maisons, qui nous a donné un numéro de sécurité sociale, qui nous a permis de rester à Paris, qui nous a donné une bonne situation pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire des études. Et c'est grâce à cette générosité qu'il a pu avoir des enfants. Et aujourd'hui, 35 ans plus tard, il y a ce garçon qui écrit cette histoire et qui, avec beaucoup de modestie et beaucoup d'humilité, participe avec un petit grain de poussière à un patrimoine culturel français. Donc, je pense que ça fait réfléchir aussi par rapport à ces migrants qui sont aux portes de l'Europe et qui, eux aussi, dans 35 ans, pourront apporter quelque chose si on sait leur tendre la main. J'ajouterais que le garçon a aussi beaucoup de talent, outre les ingrédients que vous avez cités préalablement. Alors, juste quelques mots sur les autres livres que l'on n'a pas évoqués, pour les situer pour les lecteurs potentiels. Alors, celui qui s'appelle Jungle, que vous avez publié en 2007, alors là, c'est un récit d'aventure, de votre aventure. Alors là, j'essaye un parallèle, c'est votre Fitzcarraldo. D'une certaine façon. Oui, d'une certaine façon, oui. Ben alors, en fait, il y a Fitzcarraldo également dans Sucre Noir, puisqu'il y a une sorte de bateau comme ça au milieu de la jungle. Oui, voilà, au début. Ouais. Et oui. Et par rapport à Jungle, ça a été tout simplement une commande. Je pense que je n'aurais pas écrit ce texte si c'est d'une façon spontanée. J'ai été approché par un homme qui s'appelle Christophe Rella de la maison d'édition Guérin, qui m'a dit qu'il cherchait depuis 2 ans un écrivain pour pouvoir être envoyé au Venezuela, traverser El Ahuyantepuy, qu'on appelle la montagne du diable, et que pas plus de 100 personnes ont traversé, selon eux. De El Ahuyantepuy tombe la plus haute cascade du monde, la chute d'eau la plus haute du monde, s'appelle El Salto Ángel, en langue indigène c'est Querepacupay Vena, mais il l'appelle Salto Ángel, tout simplement parce que ça a été entre guillemets découvert par un aviateur appelé Jimmy Angel, et donc il a donné son nom à la cascade, mais comme Angel ressemble à Angel, donc ressemble à ange, donc finalement la force phonétique a pris le dessus, et aujourd'hui on pense que c'est le saut de l'ange, mais ça n'a rien à voir avec le saut de l'ange. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est 1 kilomètre de chute d'eau, et on m'a proposé de la descendre en rappel. Donc on a mis 48 heures à la descendre en rappel, il a fallu dormir à mi-chemin, dans une petite grotte, ça a été très difficile, très dur, physiquement très éprouvant, et on m'a donné ensuite 9 mois pour pouvoir écrire le livre en français. Donc, ça a été publié par la maison d'édition Paulsen, qui avait racheté entre-temps Guérin, parce que M. Guérin était mort. Enfin, je vous passe les détails. Et donc, le livre s'est publié à ce moment-là. Et donc, des choses folles comme ça, vous signez tout de suite. Alors, oui. Bah... Oui, je trouve que oui. Du début, hein, le fait de descendre en rappel cette cascade. Pourquoi pas? Alors oui, allez savoir. Pour être tout à fait honnête, moi je ne suis pas un trekker, je ne suis pas quelqu'un qui fait d'escalade, je n'avais jamais fait de rappel dans ma vie non plus. J'ai signé aussi parce que voilà, il y avait une aventure qui était proposée, parce que j'avais les genoux pour pouvoir le faire, puisque à cette époque j'étais encore jeune, et que j'avais envie de me lancer non seulement dans l'aventure physique, mais également dans l'aventure littéraire, de pouvoir raconter la jungle vénézuélienne. Et c'est très difficile de raconter la jungle vénézuélienne pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a peu de livres sur la jungle vénézuélienne. Les rares livres sont écrits en,
en espagnol, et donc il faut déjà faire une sorte de traduction, et il y a peu de livres en français, fatalement. Donc je me suis retrouvé à avoir peu de documentation, et à côté de ça, parce que écrire sur la jungle, c'est comme écrire sur l'océan, ou comme écrire sur la musique, ou comme écrire sur l'amour. C'est-à-dire, ce sont des choses qui sont tellement infinies qu'il est presque prétentieux d'imaginer qu'avec un alphabet et une langue finie, on va pouvoir le réduire à un récit qui soit suffisamment fidèle. Donc aucun texte ne peut donner réellement l'immensité de la jungle. Qui plus est avec une langue qui lui est étrangère. Absolument, voilà, une langue qui lui est étrangère, tout à fait. Qu'on dise un mot sur Sucre Noir, vous avez cité ce titre tout à l'heure, là c'est un an plus tard, vous avez publié ça en 2017, alors il y a quasiment tous les ingrédients du roman d'aventure de pirates, enfin il y a des pirates, il y a un trésor, il y a la Caraïbe, il y a le rhum, et il y a un pirate britannique qui vous a inspiré, un certain Morgan. Oui, alors oui, il se trouve que, et encore une fois, donc on revient à ce jeu de Traboul, il se trouve que le pirate Henry Morgan, qui a une histoire absolument étonnante, est réellement arrivé dans la rade de Maracaibo, dans le golfe de Maracaibo, et pendant de nombreuses années a terrorisé les villages des alentours. Si bien que encore aujourd'hui, mes grands-parents ou les gens qui habitent à Maracaibo peuvent te raconter des histoires de Henry Morgan, alors qu'il était là il y a 4 siècles, c'est ça. Mais comme si c'était resté dans une sorte d'épigénétique des peuples, comme une sorte d'ADN. Le personnage de Henry Morgan, comme il est très maracucho de Maracaibo, allait de toute façon se retrouver dans ce livre que j'aimerais écrire sur Antonio Borja Romero et sur Venezuela. Et donc, il y avait là aussi un jeu de clin d'œil pour pouvoir préparer ce livre à venir. Il y en est de même avec Bracamonte. Alors voilà, bah, bravo, oui, tout à fait. Oui. C'est un explorateur, lui, d'aujourd'hui, hein. Mais ce nom, on le retrouve aussi dans vos autres livres. Hein. Tout à fait, il y a en effet des Bracamonte qui se retrouvent ici et là, ce sont des fils que j'ai tendus pour pouvoir faire d'autres Bracamonte, et il y a Severo Bracamonte dans Sucre Noir, il y a un Bracamonte à Saint-Paul-du-Limon, dans le voyage d'Octavio, on retrouve Hector Bracamonte également dans Héritage, et il y aura en effet un Bracamonte très important, Babel Bracamonte, dans le livre sur Maracaibo, qui est le chroniqueur, en fait, qui est celui qui écrit toute l'histoire des différents livres qui ont été lus et tout ça. Enfin, voilà, l'idée, c'est faire une sorte d'intertexte, comme ça, de métatexte avec différents personnages. Et Sucre Noir était aussi une grande allégorie pour pouvoir parler du pétrole vénézuélien. Mais je ne sais pas si on a le temps, si c'est le sujet. Voilà. C'était très exactement la ligne suivante. Je voulais qu'on évoque, évidemment, le Venezuela d'aujourd'hui, et qu'on dise un petit peu sur... La destinée terrible de cette la République bolivarienne du Venezuela, comme elle est nommée, ce pays d'une grande richesse d'un côté, d'une extrême pauvreté de l'autre, et qui est aussi victime d'un troisième élément qui est cet embargo qui le pénalise, ce pays. Dites-nous, comment vous ressentez, vous, ce Venezuela aujourd'hui, si vous pouvez en quelques mots nous dire un petit peu votre ressentiment vis-à-vis de ce pays? Non, c'est une situation qui est très difficile en ce moment, et pour être tout à fait honnête, moi je me retrouve dans un entre-deux, parce que d'un côté je suis un homme de gauche et je crois beaucoup à des processus qui peuvent changer des systèmes néolibéraux capitalistes, et d'un autre côté je me rends compte à quel point la révolution bolivarienne a fait du mal à créer probablement un des exils massifs historiques les plus importants du Venezuela. Et comment il y a la même corruption et les mêmes problèmes en ce moment, ils ont fini par reproduire des schémas qu'ils voulaient combattre autrefois. Et l'histoire du XXe siècle vénézuélien est intéressante parce qu'on a découvert le pétrole plus ou moins dans les années 20, on l'a découvert justement à Maracaibo, d'où est ma mère, ce qui a donné d'ailleurs que ce petit village de pêcheurs est devenu en 10 ans une des capitales latino-américaines les plus importantes, c'est-à-dire la première piste d'atterrissage de Concorde a été faite à Maracaibo, dans ce petit village de pêcheurs, pour vous dire l'importance que ça a été la découverte du pétrole, et qui a été un des grands malheurs, une des grandes pertes, et aussi une des grandes richesses du Venezuela, parce qu'à partir de ce moment-là, ils ont créé une sorte de monoproduction, ont arrêté de travailler la terre, n'ont plus pensé aux cultures, n'ont plus pensé à l'agriculture et à tout ce qui pouvait être autour, et ont décidé en effet de simplement exploiter ce pétrole pour pouvoir le vendre en barils à l'étranger, avoir des pétrodollars, et donc acheter à l'étranger, en un système d'importation, tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir faire vivre un pays.
Et donc, fatalement, c'est un pays qui s'est à la fois enrichi, mais qui s'est ruiné aussitôt en faisant toutes les importations. Et le Vénézuélien a créé une sorte de fainéantise, de paresse, puisque à quoi bon travailler la terre, puisqu'on peut acheter le maïs à côté? À quoi bon aller presser la canne, puisqu'on peut acheter la mélasse à Cuba? À quoi bon aller travailler la culture bovine, puisqu'on peut acheter la viande en Argentine? À quoi bon aller chercher le gaz, puisqu'on l'achète en Bolivie? À quoi bon, à quoi bon, à quoi bon? Et au bout d'un moment, en fait, finalement, le Venezuela ne fait rien. Personne ne travaille. Il n'y a que 7% de la population qui travaille. Elle travaille dans les raffineries pour pouvoir continuer à mettre le pétrole en baril et l'envoyer. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation comme ça, dans laquelle on dépendait, une dépendance du pétrole. Et donc, ce que disait Urlar Pietri, qui a été un des candidats à la présidentielle et aussi un très grand intellectuel, avec une formule très célèbre, il disait « Hay que sembrar el petróleo ». Non, il faut semer le pétrole. C'est-à-dire qu'il faut en effet faire que le pétrole développe les infrastructures, développe les usines, développe les fabriques, développe l'agriculture. Il faut garder le pétrole à l'intérieur du pays pour pouvoir le développer. Et c'est ce qu'a essayé de faire Chávez, avec la nationalisation de PDVSA et avec le système de contrôle de change, c'est-à-dire une impossibilité aujourd'hui de pouvoir transformer des bolívares, la monnaie locale, en dollars, et pour pouvoir donc en effet acheter à l'étranger. Donc ce qui oblige des gens qui gagnent bolívares à réinvestir la monnaie dans leur propre pays. On arrive au bolívar digital aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le bolívar, c'est passé par le bolívar, ensuite par le bolívar fuerte, maintenant le bolívar digital. Tout à fait souverain. Et c'est ce qui fait que donc naturellement, comme dans tout pays où il y a une hyperinflation, où il y a un contrôle de change, et bien il y a un marché parallèle, il y a un marché noir qui naît en fait. Le marché noir est juste enfin conséquence directe du contrôle de change. Et ce qui a fait que du coup, les gens continuent à utiliser des dollars, mais du coup ils les vendent à un prix différent. Et donc l'inflation commence, une hyperinflation au point qu'aujourd'hui quand tu vas dans un resto, enfin bon, c'était vrai à un certain moment, je ne sais pas si aujourd'hui, mais où tu dois payer avant de manger parce que le temps de manger ton plat, le plat a augmenté de prix. Imaginez-vous l'absurde dans laquelle on vit. Donc voilà, moi je pourrais passer des heures à parler en effet de cette histoire et c'est toujours très délicat encore une fois parce que eux se disent un gouvernement de gauche, et donc tu te dis que si tu es un homme de gauche, tu veux être avec eux, et tu dis, si tu n'es pas avec eux, alors tu es avec qui? Alors tu es avec la droite, c'est ça. Mais la droite, donc, c'est exactement les républiques d'hier qui ont fait qu'il y a eu une révolution, parce que la révolution n'est pas arrivée tout à coup, elle est arrivée parce que les gens sont sortis dans la rue, parce qu'il y avait trop de corruption. Donc en fait, on est dans une sorte de cul-de-sac, de chat et de souris. Allez savoir. Alors, on va rester à la littérature pour ce soir, en tous les cas, entre nous, et à l'écriture. Alors, vous avez un petit peu répondu, parce que j'ai compris qu'au-delà des plans que vous pouvez faire sur vos livres, vous en faites sur plusieurs à la fois, puisqu'il y a déjà des personnages, des jalons qui sont posés pour les livres futurs. Et comment se construit l'un de vos livres? Par exemple, Héritage, prenons ce dernier, les quatre générations, vous les aviez en tête dès le début, vous saviez très exactement, puisque vous aviez imaginé ces 100 ans qu'il y avait entre le début du livre et l'arrivée de la dictature de Pinochet. Ça, c'était construit, vous connaissiez les personnages, vous saviez exactement. Vous faites un plan, comment vous, dans votre antichambre, là, du côté de la Villa Médicis ou ailleurs, ou à Berlin, comment vous faites? Eh bien, en effet, par rapport à Héritage, j'avais d'abord l'idée de pouvoir parler de Hilario Dar, puisque j'avais vraiment envie de rendre hommage à mon père et de parler de son livre qu'il avait publié pendant la clandestinité. Mais je me suis rendu compte qu'un seul livre autour de ça, c'était peut-être trop peu. Donc, j'avais envie justement d'explorer un petit peu tout ce qu'il y avait autour. Je me suis souvenu qu'il y avait l'histoire du Jura, que c'était peut-être un siècle avant. Et petit à petit, a commencé à se former des possibilités de faire ces quatre générations qui se suivent avec ces guerres mondiales, avec différentes anecdotes familiales qui m'étaient offertes. Et je me suis dit que je pourrais jongler avec, les composer. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop d'informations, comme toute personne qui écrit sur son histoire familiale, il y a trop d'informations. Et on est obligé de mentir certaines fois, donc le mentir vrai, pour pouvoir mieux dire la vérité. Et donc parfois, je me suis permis certaines scènes qui n'ont pas existé, mais qui symbolisent si bien la psychologie d'un personnage qu'elles finissent par être plus réelles que le réel. Non ?
Et c'est par exemple ce que fait beaucoup Stefan Zweig dans ses biographies, puisqu'une partie des scènes qu'il invente, je pense à la biographie de Casanova ou la biographie de Balzac, eh bien, il y a énormément de scènes qui ne sont jamais arrivées. Et cependant, elles sont si bien décrites que les gens disent « Ah, mais oui, on voit là toute la psychologie du personnage » au point qu'il y a quelques chercheurs et des spécialistes de Casanova et de Balzac qui finissent par mettre dans leur propre livre cette scène-là alors qu'elle n'a jamais existé. Et c'est ce qui a pu m'arriver également avec Héritage sur certaines scènes et mon oncle qui lisait des scènes en disant « Ah oui, je me souviens bien de ce moment-là » et non, tu ne te souviens pas parce que ça n'est jamais arrivé. Ça doit être un grand plaisir pour le romancier que vous êtes. Là. Oui, bah, du coup, voilà, ça flatte en effet le... Est-ce que c'est quand même pas mal. Bah oui, en effet, mais c'est toujours cette, comme vous parliez, de porosité entre la fiction et le réel, toujours délicieuse, et entre la petite histoire, la grande histoire, tout ça, ça se mêle, et au bout d'un moment, qu'importe, non ? Comme ils disent dans le très beau film de John Ford, The Man Who Killed Liberty Valance, à la fin, il dit, non, c'est quand la légende dépasse la réalité, on imprime la légende, non ? Print the legend. Print the legend. Tout à fait. Il est construit en chapitres et chaque chapitre porte un nom et c'est un nom d'un personnage. C'est aussi une manière d'entrer dans votre littérature. Ce livre, mais ces livres, ceux que j'ai lus, m'ont donné l'impression que vous adressiez des clins d'œil au lecteur. Vous aviez une manière de dire attention, tiens, ça c'est. Alors on sent bien que c'est un peu crypté, qu'on ne. Découvre pas tout, bon, il y a des choses qui nous échappent, bon, ben voilà, c'est comme ça, mais on s'aperçoit qu'il y a des personnages qui ont été évoqués ici qui reviennent, des références littéraires aussi qui sont plus ou moins explicites, et c'est des hommages rendus. Vous avez ce sentiment-là de vous amuser avec le lecteur et de lui dire, à toi de jouer lecteur, et comprends qui peut, quoi, finalement. Et toujours avec beaucoup de bienveillance, et parce qu'en effet... Ouais, moi-même, en lisant des livres, et lorsque je me rends compte que l'auteur a fait un petit clin d'œil ou a fait quelque chose, je pense, en ce moment, je suis en train de lire le sublime Solénoïde de Cărtărescu, le grand écrivain roumain, et c'est plein de petits recoins, c'est plein de petites aiguilles, c'est plein de pics intelligents, et je me rends compte, moi-même, en lisant, que j'en perds la moitié parce que je ne connais peut-être pas assez bien la littérature roumaine, bien que je sois un lecteur de Sioran ou de Tristan Tzara ou de Rebrena, mais il y en a certaines que je ne comprends pas. Et tout à coup, je me sens moi-même un peu idiot, un peu bête, parce que tu te dis « Ah, bah, alors il est en train d'être au-dessus de moi, non ?» Alors qu'au contraire, lorsqu'on le fait avec une forme de bienveillance, c'est-à-dire qu'on tend la main en disant non seulement... Et tu peux le comprendre, mais même si tu ne peux pas le comprendre, tu verras que dans le livre, c'est comme expliqué plus tard, enfin, et que cette scène n'est pas anodine, n'est pas gratuite. Ce clin d'œil n'est pas juste là pour faire plaisir, n'est pas juste là pour, encore une fois, flatter cette détonation du chasseur en disant « Ah, j'ai enfin pu placer ma citation sur Rimbaud » ou « Ah, mon clin d'œil sur Zola ». Enfin, non, en effet, tu te mets à jouer avec et tu te rends compte que ça rentre dans la masse du texte pour pouvoir en faire une vraie sculpture derrière. Et ça me fait penser, je pense à voix haute avec vous, et là je suis en train de finir le roman « Travail » d'Émile Zola. Il se trouve que dans Travail, dans Émile Zola, il y a une scène qui est exactement la même scène des chandeliers de l'évêque de Digne, du début des Misérables d'Hugo. Mais c'est exactement la même scène. Au point, en effet, que j'ai pris donc les Misérables, j'ai comparé les deux scènes, et parfois, mot pour mot, il reprend exactement la même scène. Et j'ai été content de cette trouvaille. Je me suis dit, alors, j'aurais aimé être devant Zola et lui dire... Cher ami, quand même, c'est pas un petit livre comme ça qu'on trouve au détour d'un bouquiniste et tu as décidé de piquer cette idée parce que tu as trouvé la scène bonne. Tiens, on est en train de parler de la cathédrale de la littérature française, ça commence comme ça, tout le monde l'a lu, c'est-à-dire que même les gens qui ne l'ont pas lu ont lu la scène des chandeliers. Donc, et je m'étais dit, est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce que c'est juste vouloir s'accouder sur le texte d'Hugo? Enfin, jusqu'où il va? Mais, et c'est là où j'en reviens à cette idée que Zola a la grandeur d'expliquer avant et après, autour de cette scène, que c'est quelque chose qui est parfaitement lié avec le roman, que ce n'est pas une coquetterie, que ce n'est pas un bouton de fleur à la boutonnière, que c'est pas un petit chalet, une petite dentelle qui s'est mise. Non, c'est pétri dans la masse
de ce roman social des miséreux, des puissants, des douloureux, mais aussi des hiérarchies sociales, et que c'est peut-être un clin d'œil, peut-être que ça ne l'est pas, mais qu'importe, parce que c'est fondu dans la structure du texte. Alors, c'est légitime. Alors, cher ami, comme vous auriez pu dire à Zola, est-ce que vous avez un deuxième prénom? J'ai une question très, très indiscrète. Est-ce que vous avez un deuxième prénom et quel est-il, si ça ne vous ennuie pas? J'ai deux deuxièmes prénoms. Je m'appelle Miguel Rodrigo Cristóbal Bonfoy Borjas. D'accord. J'ai pensé à un moment que vous auriez pu avoir comme deuxième prénom René. Ah oui, bravo, bravo. Joli. Alors, là aussi, c'est un clin d'œil, parce que les lecteurs sauront qui est ce Michel René à la fin du livre, qui est évoqué pendant longtemps. C'est une espèce d'ombre qui circule tout au long de l'héritage. Mais ça, on n'en dira pas plus. Je pensais ça à un moment. Une autre question, ça va être une des dernières, sur le lieu de l'écriture. Vous avez dit que vous êtes en ce moment à Berlin, vous avez vécu dans différents pays, à la Villa Médicis. Est-ce que le lieu d'écriture influence celle-ci, ou vous êtes dans votre monde et finalement, où que ce soit, qu'importe? Je dois reconnaître que le lieu d'écriture n'influence pas. Et je me rends compte, et peut-être parce que je suis fils de diplomate et que j'ai tout le temps énormément bougé, j'ai réussi très vite à me créer mon propre territoire de l'imaginaire, mon propre territoire de référence et de repère, et que je sois à Rome, que je sois à Berlin, que je sois à Caracas, que je sois à Buenos Aires, et que je sois à Lisbonne, je continue mon travail d'écriture. Alors bien sûr qu'il peut être de temps en temps et saupoudré de certaines choses que je peux voir ici et là. Bien sûr qu'en étant à Rome, on est tout à fait fasciné et influencé par les sources de la mythologie, puisqu'à force de faire des musées, on est sans cesse avec de la mythologie, et peut-être qu'on peut retrouver ici et là quelques injections comme ça d'idées de récits fondateurs. En étant ici à Berlin, eh bien, je passe énormément de temps à marcher dans la ville, à écouter l'allemand, et je me suis mis à écrire sur la guerre franco-prussienne pour un autre projet, et donc je me suis dit, ah, c'est drôle d'être de ce côté-là cette fois-ci. Il se trouve que l'appartement dans lequel je suis en ce moment est un très vieil appartement qui a été construit justement après la guerre franco-prussienne par des Français qui, après avoir perdu la guerre, et parce qu'ils avaient des sanctions et des indemnités qu'ils devaient rendre à l'Empire russe, ils ont dû construire des appartements qui étaient exactement dans un style haussmannien. Et donc, en effet, on retrouve d'ailleurs là-haut, peut-être vous le voyez, toutes les moulures, toutes les rosaces qui sont typiques d'un appartement parisien, alors qu'on est en plein Berlin. Les Français vous poursuivent. Alors oui, en effet, visiblement. Oui, allez savoir. Mais bon, tout ça pour vous dire, en effet, que je me rends compte que ça n'influence pas tout à fait. J'ai mon chemin, je sais qu'est-ce que je dois écrire. J'ai beaucoup de livres dans mon ventre encore que je dois sortir. Et j'ai juste besoin de temps, de solitude, de silence pour pouvoir composer. Et j'ai pas envie de dire le mot œuvre parce que ça sonne prétentieux, ça sonne comme ça un peu grandiloquent, mais cet ensemble de livres qui sont cohérents. Et peut-être, j'ai bon espoir qu'un jour, dans 10 ans, 15 ans, on pourra reprendre tous les livres, on se rendra compte de toutes les pierres posées et que c'était pas si bête. Alors, il est de coutume que des questions nous soient envoyées directement par les spectateurs. Alors, il en est une, même plusieurs, qui tournent autour de la traduction. Est-ce que vous êtes tenté par la traduction? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez déjà commencé quelque chose? Est-ce que traduire vos propres œuvres, est-ce que c'est quelque chose qui vous tente ou pas? Oui, c'est une très belle question. J'ai décidé de ne pas traduire mes propres livres pour une raison très simple, c'est que on ne peut pas être le traître de soi-même. C'est-à-dire que je pense que j'aurais réécrit entièrement le livre, au point que lorsque j'ai reçu la traduction faite par une Vénézuélienne en espagnol et je me suis mis à lire le livre, je me suis dit c'est drôle, je n'aurais jamais écrit ce livre en espagnol de cette façon. C'est vraiment parce que c'est passé par le filtre du français que ça retombe dans encore un autre espagnol que je n'aurais pas eu. Et j'ai senti que le livre était tout à fait différent. Et j'ai fini par lire le livre en entier en me demandant qu'est-ce qui se passait à la fin. Et donc, quelque part, il y a ce jeu-là qui se fait. Mais ce qui est étonnant avec la traduction, c'est que les traducteurs finissent par connaître le livre parfois beaucoup mieux que soi-même. J'ai observé comment mes différents traducteurs finissaient par trouver
trouver des astuces, trouver des mots, trouver des tournures. En fait, ils arrivaient à trouver des résultats, des solutions de traduction bien meilleures que celles que moi j'aurais pu imaginer. Et en plus de ça, à réussir à améliorer le texte à un niveau structurel. Je vous donne un exemple. Dans le voyage d'Octavio, c'était ma traductrice italienne qui m'avait fait remarquer ça. Page 64, Octavio se leva et déclara, puis se leva et dit, puis ensuite se leva et dit. Et elle me dit, ton personnage s'est levé 3 fois alors qu'il ne s'est jamais rassis. C'est délicieux. Parce qu'en effet, elle, en traduisant, a dû dire, bon, bah, je ne vais pas réutiliser le verbe lever, non, je vais essayer de trouver des synonymes, etc. Mais du coup, en cherchant un synonyme, à quel moment il se rassoit, etc. Donc, parfois par temps, par espace, sur certains petits détails, les traducteurs finissent par connaître beaucoup mieux le texte de soi-même et finissent par être des meilleurs écrivains que nous-mêmes. Et il y a même en littérature des très beaux exemples, et je finirai là-dessus, pardon de vous couper, et je pense à Faulkner, quand il a écrit « The Wild Palms », les palmiers sauvages, et qu'en anglais, ça a été considéré une œuvre un peu mineure dans son parcours, un livre peut-être un peu moins réussi. Ça a été repris par l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, qui en a fait en effet une traduction en espagnol, qui aujourd'hui est considéré un chef-d'œuvre. Et les gens cherchent essentiellement la traduction de Borges, qui est un grand livre, alors qu'en effet, le livre de Faulkner, ils le jugent comme ça un peu incomplet. Donc, comme quoi, ça peut donner des choses comme ça. Sur le même sujet, une autre question, mais c'est un petit peu la même chose. Enfin non, est-ce que vous êtes tenté d'écrire directement, cette fois en espagnol ? Absolument. Et là-dessus, je suis catégorique et très clair. Je sais que j'écrirai directement en espagnol un moment ou un autre. Pour l'instant, je n'ai pas encore satisfait ce que j'ai à dire en français. J'ai l'impression qu'on est... Qu'est-ce qui sera le déclic ? C'est l'impossibilité de dire en français ou c'est l'ouverture de l'espagnol ? Non, c'est très intéressant comme question et je pense que je mentirais si je répondais parce que je ne peux pas le savoir aujourd'hui. Et j'aimerais beaucoup qu'on ait un rendez-vous dans 20 ans, vous et moi, pour qu'on puisse justement revenir en arrière et dire quel a été le déclic et alors on pourra réfléchir ensemble. Mais je sais que je vais écrire en espagnol un moment ou un autre et que ça va être pour moi une redécouverte de la langue. Sur même les hiérarchies des mots. Il y a une question qui est très, très personnelle, mais qui me semble très intéressante. Je la lis en même temps que vous, et elle vient d'Allemagne, de Munich plus précisément, et c'est Anna qui dit « Vous avez cité tant d'auteurs qui ont compté pour vous pendant cette dernière heure. Y en a-t-il qui a influencé le cours de votre vie ?» Ah oui, quelle belle question aussi. Il y en a un qui a... Alors, au-delà de la lecture de « Cent ans de solitude », qui bien sûr donne un cours différent, et est-ce qu'il y en a un qui je ne sais pas, je pense à ce bel exemple que donne, pardon de citer quelqu'un d'autre, mais du coup ça me fait penser à ça par association d'idées, à ce bel exemple que donne Borges justement en parlant de James Joyce, et il dit qu'en lisant l'Ulysse de Joyce, il a découvert Dublin, mais il n'avait jamais voyagé à Dublin, et Borges a fini sa vie aveugle, donc étant aveugle vers la fin de sa vie, il a décidé d'aller à Dublin, alors qu'il ne pouvait pas voir la ville, mais seulement parce qu'il avait lu Joyce. Et il s'est guidé dans les venelles de Dublin seulement par mémoire des pages de Joyce. Sublime, sublime. Donc ça, je pense que c'est un écrivain, pour le coup, qui change le cours d'une vie, ou du moins qui oblige à un voyage. Aujourd'hui, il y a énormément d'auteurs qui me fascinent de plus en plus. Encore là, je parlais des écrivains roumains qui je découvre ces romans mondes, ces romans fleuves de Cărtărescu, et je me dis que peut-être cet homme va donner une direction différente à d'autres livres. Mais il n'y a pas un auteur comme ça qui me vient en tête qui ait vraiment fait une sorte de bascule totale. Il y en a tellement. Non, tout écrivain a tellement une bibliothèque dans sa tête, quoi, que... Imagine-toi. Alors, une question qui vient de France, et Elsa, qui aimerait vous entendre par rapport au mouvement. Et évidemment, on y a pensé quand on évoquait tout à l'heure les émigrés français et européens qui partaient vers l'Amérique latine. Elle aimerait entendre votre avis sur ce qui arrive en ce moment sur ces migrants, comme on les appelle, qui échouent sur les côtes de l'Europe. Elle pense en particulier à la Méditerranée, et j'imagine à Lampedusa. Absolument. Eh bien, d'ailleurs, je pense à mon ami Mohamed Bougarsar qui a gagné le Goncourt et qui, lui, a écrit un très beau livre sur Lampedusa, son deuxième roman, et qui est très beau là-dessus et qui est à lire et à relire.
le grand Mohamed que j'avais rencontré au tout début, alors qu'il écrivait ses premières lignes de son premier roman au Sénégal. J'avais dormi chez lui, j'avais parlé de longues heures avec son père qui est médecin de Mbourg, et on avait justement parlé de ça. J'étais parti pour faire un article sur la jeunesse sénégalaise, et je me souviens qu'en parlant avec des gens de street art, en parlant également avec des musiciens, en parlant avec des surfeurs, et il y a un surfeur qui m'a dit « Moi, je pourrais parfaitement prendre ma planche de surf et nager jusqu'à l'Europe, mais si moi je pars, si celui qui est le talentueux du street art part, si Mohamed Mougarsar part, si ici et là tout le monde, tous les cerveaux de Sénégal partent, qui restera pour construire ce pays ? Qui restera pour pouvoir justement faire les fondations des générations futures, etc., pour pouvoir faire une grande Sénégal et toutes ces choses ? Qui va rester si ce n'est pas nous qui le faisons ? Et moi, j'avais trouvé ça, en effet, très beau, et ça m'a fait penser à ça. Et d'un autre côté, par rapport à ces migrants, moi, je ne suis pas politologue, je ne suis pas économiste, moi, je suis quelqu'un qui, comme disait Zola, je ne fais que pointer des blessures, je laisse le soin aux législateurs d'en trouver les remèdes. Donc mon travail, en effet, est celui de donner une allégorie, de donner une métaphore, de donner une histoire qui puisse toucher suffisamment de monde et de faire ensuite réfléchir par rapport à des récits collectifs sur ce qu'on pourrait faire. Une chose est sûre, c'est que élever des murs, fermer des frontières, mettre des barbelés, visiblement, et 2000 ans d'histoire le montrent, n'a jamais amené à rien. Cependant, faire des métissages, entrevoir des cultures, créer des dialogues entre les peuples, a donné sans doute les plus belles œuvres d'art et a donné aussi des êtres humains qui sont multiples. Donc, juste en constatant ça, on se dit que c'est folie, celle de fermer les frontières. Mais d'un autre côté, encore une fois, moi je ne suis pas politologue et quelqu'un me dira derrière, oui, mais si on ouvre à tout le monde, etc., comment on fait ? Donc, ce sont des choses qui sont délicates. Mais on a que ce qu'on donne. Alors, peut-être deux questions rapides, mais je ne suis pas sûr que la question soit facile à donner rapidement. Votre œuvre, parce que moi j'ai envie d'employer ce mot, est plutôt roman, plutôt fable, plutôt conte. Est-ce qu'il y a là aussi de la porosité entre ces trois mots ? Vous mettriez lequel ? Alors, on met roman sans doute par commodité, mais est-ce que vous n'ajouteriez pas fable ou conte à l'un d'entre eux au moins ? Bien sûr, j'aime beaucoup le mot fable, et à ce compte, je pense à Nancy Huston qui a écrit ce très beau livre qui s'appelle L'espèce fabulatrice, dans lequel elle dit en effet que tout humain, on n'est qu'une espèce fabulatrice, on n'est qu'une espèce de fable, puisque toute construction sociale est un récit. Le capitalisme est un récit, le communisme est un récit, la guerre froide était tout simplement une guerre de récits, la religion est un récit. La famille, l'argent, l'amour. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, cette conversation avec plusieurs personnes, c'est une sorte de récit collectif qu'on se raconte et qu'on vient. La langue est un récit. C'est-à-dire que quelque part, on n'est que fable. L'être humain commence avec une naissance, finit avec la mort, au milieu il y a des dénouements et on ne voit la vie qu'avec cette espèce d'arc. On se raconte notre propre histoire. Et du coup, on la raconte aux autres. Donc quelque part, en fait, dire qu'on écrit des fables, qu'on fait des fables, en fait, c'est tout simplement revenir à une sorte de matière primitive qui est celle de l'être humain et de cette espèce fabulatrice. Donc s'il fallait choisir entre conte, entre roman ou entre fable, bien sûr que je prends fable, fabula, non, du latin fabula, qui revient vraiment à l'essence première de toutes nos constructions sociales. Et hier, je vous donne un exemple rapide, j'étais en effet en train de donner le bain à ma fille. J'avais donc mis de l'eau dans le bain. Elle prend de l'eau dans un petit seau et jette l'eau par terre. Moi, je lui dis non, 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 non. Et elle me regarde, elle me dit, mais là, toi, tu as mis de l'eau partout dans ce bain et moi, je ne peux pas en mettre un petit peu à côté. Et là, tu te dis, bah oui, en fait, tout est construction sociale. Enfin, c'est-à-dire qu'il se trouve que l'eau a aussi une géographie qu'il faut savoir poser ici et là et toutes ces choses. Alors, bien sûr que le mot fable, en fait. Alors, une dernière question, cette fois, très, très égoïste d'une certaine façon. Je vais rentrer chez moi, je vais ramener vos livres. Il se trouve que ma bibliothèque est classée géographiquement. Où dois-je les mettre, Ah, quelle belle question.
Ouais, bravo. du côté de l'Europe, du côté de la France, du Chili, donnez-moi le conseil, mais je ne sais pas où les mettre. Quelle belle question. Bon, moi, je vous conseillerais d'ouvrir une autre catégorie, c'est ça, qui est la catégorie de ceux qui ont plusieurs cultures à l'intérieur de leur cœur. Mais oui, c'est une très belle question. Bravo, j'aime beaucoup. Il y aurait beaucoup de clients, je crois, qui iraient dans cette dernière Je pense que la moitié de votre bibliothèque va finir par être exilée dans cette nouvelle bibliothèque. On en reparlera, j'espère, une prochaine fois. Merci beaucoup, Miguel Bonnefoy, de vous être livré à ce jeu de questions-réponses depuis Berlin jusqu'à Paris et jusqu'au monde, puisqu'il y avait plus de 200 personnes qui nous écoutaient et qui venaient de 37 pays. Ah oui, magnifique. Un bout du monde qui nous écoutait. Cette émission a été faite grâce à Eric Jagu, à Flore Bénard et à Cerise Schwaller. Alors, le cycle « Je viens de loin, j'écris en français » va évoluer et va devenir « En français dans le texte », ce sera le nouvel intitulé. Et nous vous donnons rendez-vous à tous l'année prochaine, en 2022, avec d'autres rencontres, d'autres lectures. Merci beaucoup, bonne fin de soirée, Miguel, et à très bientôt, j'espère. Merci. Merci beaucoup Bernard et bravo pour l'intelligence et la pertinence de vos questions. Et merci à tous d'avoir assisté. Merci, bonsoir, bonsoir à tous. Au revoir.